Mes chers frères en Christ, bonjour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà encore une fois, par la grande puissance du Saint-Esprit de Dieu, de feu et de la flamme, nous pouvons rencontrer pour ce culte du dimanche. Et nous connaissons bien de ce que, et tous les jours, nous dans l'onction, nous dans la prière, c'est une occasion exceptionnelle qui nous est là, quand nous vraiment, ensemble en famille, pour nous grandir. Notre maison, c'est la demeure de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu, le temple de Jésus, le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous invite dans cette onction apostolique prophétique. C'est pourquoi, couvrons nos têtes, bénissons le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu de la flamme prend tous les contrôles. Bien très simple, moi je te remercie, merci pour cette rencontre de tout un chacun, chacune, papa, qui pourra ensemble avec nous pour cette vidéo, papa, dans toute grande humilité, papa, moi je m'en prie petit que petit, papa, que tu es si grand, si puissant, si glorieux, Saint-Esprit, que tu prends tous les contrôles, Seigneur, afin vraiment, Seigneur, que chacun, chacune qui regarde cette vidéo, tout de même, papa, pourra ramasser un petit peu, pour capable collecter un tout petit peu, papa, de ce message, qui pourrait nous du bien, pour la gloire de ton Saint-Nom, papa, parce que ton retour est proche, et nous voulons bien vraiment se préparer pour le retour du Christ. Dans le nom de Jésus, papa, aide-nous à célébrer toi, aide-nous à adorer toi, aide-nous, papa, vraiment, Seigneur, pour prendre ton grandeur. Partout que nous allons, il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu encore. Tu es le créateur, tu es le maître, tu es le sauveur, tu es le Seigneur, papa. Aide-nous, papa, à prouver à l'humanité que nous sommes dans la vérité et toi-même, tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus te même. Jésus te même les rois. Jésus te même les rois. Oui. Jésus te même les rois. Jésus te même les rois. Depuis une grâce à maladie, depuis une grâce à sorcellerie, depuis une grâce à malédiction. Hey. Oh la croix, oh tu puissant. Oh la croix. Jésus, te même au les rois. Jésus, te même au les rois.
À travers la louange et l'adoration dans peu de temps. Et nous regardons maintenant le message. Et le message, titre de ce message, il vous dit à nous, le dernier événement. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de derniers événements. Mais nous allons voir un petit peu, pas beaucoup, tout ce qu'on est capable de dire, le dernier événement. Tout d'abord, concernant le dernier événement, mais ça voudrait bien connaître, est-ce que le confinement qui est actuellement, est-ce qu'il est biblique? Est-ce qu'il est vraiment biblique le confinement qu'on a actuellement? Alors, nous regardons à travers la parole de Dieu, que Dieu pense à nous. Pardon. Que Dieu pense à nous, alors, ce que c'est que le confinement. Amen.
Alors, dans le confinement, on arrive dans la terre. Et moi, vous dire de ce que, entre parenthèses, dans le passé, selon la Bible, quand quelqu'un qui gagne la lèpre. La lèpre s'y présente lui-même comme une maladie contagieuse. Personne n'est capable que je te connais une personne qui gagne la lèpre. Alors, qu'il s'agit d'une maman, qu'il s'agit d'un enfant, qu'il s'agit d'un papa, celui qui gagne la lèpre, bisait déplace-lui. Si elle est dans l'endroit, elle est dans les déserts, elle est dans une caverne, rose cachette, et maintenant pour nourrir sa maman là, ou bien sa maman là, ses enfants, qui gagne la lèpre là, pour nourrir lui, qu'est-ce que nous devons faire? Pour amener son manger, depuis loin, alors, vous amène son manger, sa maman là, qui dans sa caverne là, il sortit depuis loin. Vous avez dit, il louquait. Il avait trouvé quelqu'un quand il vient manger, il cachait dans les dents. Alors, comme les animaux, il faut bien cette personne, cette membre de la famille, amène sa nourriture là, dépose sa nourriture à l'entrée de sa caverne là. Quand cette personne est déplacée, en ce moment-là, sa personne qui est contagieuse par la lèpre là, il sortit, il vient, il prend sa manger là. Selon la Bible, c'est une sorte de confinement. Alors, la lèpre était une maladie contagieuse. Il y a eu beaucoup d'autres maladies contagieuses. Beaucoup, choléra, etc., beaucoup. Alors, tous les temps, finalement, sont des confinements. Si mon petit aujourd'hui, une simple maladie qu'on appelait la grippe, une personne qui est grippée, l'éternée, quand une autre personne qui n'est pas grippée, après quelques temps, ça a des personnes-là aussi qui vous grippent. Les contagieuses. C'est une maladie contagieuse, même la grippe. Une personne qui a la grippe, on voit qu'elle prend son moussoir qui souille son néné ou souille une néné, ou vous contagieuse. Donc, ce n'est pas un événement qu'aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle, comment dirais-je, qu'on vient avoir. Non. C'est écrit dans la Bible. Des années. C'est écrit dans la Bible. Laisse-nous regarder un petit coup dans la Bible qui dit à nous concernant tout d'abord distanciation, comment nous dire. Allez-vous un petit coup, s'il vous plaît. Apocalypse 18, verset 10 à 16. Apocalypse 18, verset 10 à 16. Get me with you. Apocalypse 18, 10 à 16. Lisez à nous. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Malheur, malheur. Alors, voilà quelque chose qui éclaircit nous bien concernant, alors, et la distanciation. D'accord? Quand on revient, c'est bien nous, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Le dernier événement, c'est le titre de ce message, même les rois, même la reine, même n'importe quelle autorité, se pour paniquer quand on parle de ce dernier événement-là. Alors, les bouddhaos qui se font, c'est énorme, éloigné, distanciation. Éloigné veut dire distance, pas que c'était prêt, d'accord? Dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, une seule heure est venue ton jugement. Maintenant, ce qui arrive, distanciation, regardez. Et les marchands de la terre pleurèrent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus les cargaisons. La vente tombée, l'économie affectée, tout va m'en s'emplairer. Cargaison d'or, cargaison d'argent, cargaison de pierres précieuses, cargaison de perles, de fin lin, de pourpre, de la soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de santerre, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets de bois très précieux en airain, en fer,
et en membre, tout ça, cordaison là, alors, bien éloigné des autres, mensonges, pas capable de travail. Maintenant, le cinnamon, cannelle, d'aromates, des parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de pain, farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'hommes. Alors, aussi, le fruit, ce qui est arrivé, et nous, quand il y a pour ça, deuxième événement de COVID, à l'île Maurice, deuxième manche, fin arrivé, il commence par abandonner sans fruit. Le fruit qui désirait ton âme sont allés loin de toi. Quitter les fruits, quitter les légumes, quitter tout sauvé, galoper, aller. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tout a été perdu. Et tu ne les retrouveras plus. Et les mensonges de ces choses qui se sont enrichies par elles se tiendront éloignés de l'argent, ton richesse, ton travail comme étant fini. Amen. C'est le warning qui mon Dieu peut donner. Amen. Dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, qui bien décontre la ville, bien jolie, bien travail, beaucoup d'eau, beaucoup d'argent, tout tombé, et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Beaucoup, beaucoup de catastrophes. Planter un jour, tout ce légume finit de détruire. M'en sans fruit, tout ce fruit reste comme ça, même mis à zété. Alors, l'autre côté de la boutique, et la cargaison finit détruite, finit habillée, finit moisie. Partout, catastrophe. Monsieur Franck Christ, si vous pas qu'on bon Dieu, ni vous comme ça. Regardez, tout d'abord, nous tout l'éloignement. Surtout éloigné. Amen. Donc, on appelle ça distance. Distanciation. Alors, nous ne pouvons pas accoster contre nos prochains. Nous ne pouvons pas accoster contre nos objets. Nous ne pouvons pas accoster contre nos produits. Comment désinfecter ou désinfecter? Combien? Ou pas pour finir les amis. Donc, tout ça, c'est écrit dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament. Amen. Deuxièmement, vous en avez plus vite, s'il vous plaît. Si nous regardons un petit coup maintenant, lave la main. Voyons la Bible dans Exode 30, 18, 21. Exode 30, 18, 21. Exode 30, 18, 21. Exode 30, 18, 21. Regarde ce qu'il dit. Il dit à nous. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuvette, une cuve d'airain, en métal, avec sa base d'airain, pour les ablutions, d'accord? Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Amen, de l'eau, d'accord? Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Amen. Lave la main. Lave aussi bien que les pieds. C'est la purification, la sanctification. D'accord? Lave les mains, puisque pour parfois, il n'y a pas de microbes. Il n'y a pas vraiment, comment dirais-je, de l'atmosphère. Il y a un piège de l'atmosphère qui va connecter pour la main. Lave la main, purifie la main. C'est bien, toujours encore dans l'Ancien Testament, lave les mains. Troisième, regarde du côté du masque. Amen. Voilà, bon, dans Ézéchiel 12, 6. Ézéchiel 12, 6. Abidjanou. Ézéchiel 12, 6, Abidjanou, voilà. Sous les yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité et tu te couvriras le visage. Et tu ne regarderas pas la terre quand je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Les enfants d'Israël, dans l'onction apostolique prophétique, les enfants d'Israël, alors, quand on a la BSN, l'ennemi,
Beaucoup quelqu'un calcule par les croix sa grand bon Dieu là. Se très belle avec l'Éternel, se très belle avec le Créateur, se pas de reconnaître qu'il y a un vrai Dieu, un seul Dieu qui est le maître de l'univers, se pas de reconnaître. Tu sais, Père, la Bible dit à ça, le peuple là, toi qui crois, éloigne-toi de cette personne là, mets ton masque. Ce n'est pas bien reconnaître, mets ton masque. Et te sortis les soirs tranquillement, toi, hein, éloigne-toi de tes adversaires, de tes ennemis. Voilà le masque encore, c'est pour éloigner l'ennemi, c'est-à-dire le COVID-19, l'ennemi de ta propre famille, membre de ta famille. Tu ne peux pas croire que c'est un côté, mais c'est lui, celle qui ne peut pas croire. Dis-vous comme ça. C'est lui qui croit, mon Dieu. Non, il ne peut pas comme ça. À tout à l'heure, de nous l'éclaircissement. Comment nous prêter celui qui ne croit, c'est lui qui ne croit, mon Dieu. Amen. À nous regarder, quatrième, si je ne me trompe pas. Les masques. Quatrième, le confinement. Ésaïe 26, 20, 21. Ésaïe 26, 20, 21. Ésaïe 26, 20, 21. Voilà. Ésaïe 26, 20, 21, qui dit à nous? Dit à nous. Voilà. Va, mon peuple. Entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Pour que, pour quelques instants, oui, pour quelques temps, cache-toi. Ferme-toi dans la cave, n'a pas sorti. C'est une nouvelle qui ne peut qu'être dans la radio, dans la télévision, et qui demande modèle, puis Dieu nous fait dire. Amen. Nous pouvons accepter notre humilité, nous pouvons faire dire. Cache-toi dans la cave, n'a pas sorti. Qui faire? Donc, vous connaissez longtemps quand tu es dans le loup-garou, quand tu es dans le démon, tu es dans un criminel, tu vas voler et puis attaquer dans l'endroit. Je cache tout. Cette fois-ci, à cause de COVID-19, on vous a caché. Qui dit, Jérôme, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelque temps jusqu'à ce que la colère soit passée. Quand voici l'Éternel sort de sa chambre pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Là, tu n'es même pas encore caché ton péché, ton crime qui te fait faire. Amen. Caché, viens de te l'assemble, c'est le confinement. N'a pas sorti pour quelque temps. Là, mon Dieu peut montrer nous. Nous ne pouvons pas dire la colère de Dieu tout à fait, oui. Mais nous pouvons dire, c'est un warning qui bon Dieu peut donner avant ce retour. C'est un warning. La colère de Dieu, il peut arriver dans les dernières Apocalypse. Quand on oublie Apocalypse, en détail, il vous donne nous. Que vraiment la colère de Dieu pour taper. Mais là, pas encore la colère de Dieu. C'est un warning que Dieu peut donner toi. Prends toutes les précautions. Celui qui ne peut pas mettre la parole de Dieu en pratique, celui qui rébelle, bien sous-entendu, tu n'es pas capable de faire des boules. Donc, ça cache quelque chose que nous regardons ce matin concernant et distanciation. Amen. Concernant lave la main, concernant masque, concernant confinement. Tous les quatre, c'est trop dans l'Ancien Testament. Amen. Quand on parle de l'Ancien Testament, il va nous rappeler 10 commandements de Moïse. Amen. Les 10 commandements de Moïse, pas une seule personne dans la terre qui est capable de mettre un seul commandement en pratique tel qu'il est faux. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est parce qu'il va contre ton Dieu. Ne prends pas mon nom en vain, dit l'Éternel. Pas capable. God le sabbat, pas capable. Le peuple, pas capable. Dans l'Ancien Testament. Aussi, n'adorez pas les idoles. Quatrième commandement, pas capable. Maintenant, quatre commandements pour bon Dieu, six commandements pour la terre. Honore ton père et ta mère, tu vas faire de longs jours, ne commets pas d'adultère, ne vole point, ne tue point, etc., etc. Et dans six commandements, pour la terre, premier commandement, mais c'est un point en Christ, honore ton père et ta mère. Est-ce qu'aujourd'hui, bons enfants, bons enfants d'aujourd'hui, je peux honorer ce papa, ce maman? Est-ce que je peux faire vraiment l'honneur? Est-ce qu'il y a l'obéissance? Est-ce qu'il y a l'onction? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? Est-ce que je peux permettre le Saint-Esprit de prendre contrôle? Ou bien je peux vivre par cette chair? Voilà. L'Ancien Testament, ça capte quelque chose qu'il montre nous là, c'était dans le passé. À cause de ça même aujourd'hui, des centaines, des milliers, des millions de personnes, quand on parle de Dieu, avec eux, c'est d'accord.
Mais quand Paul dit Jésus, je perds, je capitule. C'est ça la différence. Alors, les 10 commandements, l'Ancien Testament, c'était la loi. La Bible dit à nous, la loi, personne n'a pu mettre en pratique une seule loi. Ça a été terriblement difficile pour eux. La loi de Moïse. Et la Bible le fait plus loin pour dire à nous, la loi de Moïse ne vous sauve pas. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance. Selon la loi. Alors, d'accord, Moïse, tu vois la mer rouge. D'accord, tu prépares le peuple d'Israël. Mais seulement pour le salut que quelques personnes qui t'y remplissent du Saint-Esprit dans cet état, qui te gagnent le salut. 90% de personnes en dehors, peinant la grâce. Mais mes sœurs, frères en Christ, aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous avons cette crise de Nazareth qui sortit dans les ciels, qui vit dans la terre. Quand cette crise de Nazareth sortit dans les ciels, vit dans la terre, ben quelqu'un qui dans la loi se rebelle, ben grand prêtre, ben sacrificateur, ben pharisien, tous se lèvent contre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même les rois Hérode, Pilate, César, l'autorité romaine, tout se lèvent contre Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas capable d'accepter Jésus. Ce n'est pas le capitaine de Jésus. Pourquoi? Parce que la grâce, une vie dans la terre, que Dieu a envie de sauver toute l'humanité. Quand les diables disent non, retourne en arrière, faire confinement. Les diables disent comme ça, mais n'a pas peur, allez, garde une distance avec ton voisin, avec ton maman, avec ton papa, avec ton soeur, ton frère, ton maman finit avec COVID-19, ton maman finit être contaminée, ton maman finit une étrangère, ton maman fermé dans le cassot. Donc, tu es même peur pour que je te côtelie. Toi, tu es peur pour que je te côtelie. Ta propre famille te sortit dans le ventre de maman, mais tu n'es pas capable de regarder ta maman dans une situation pareille. Maman, tes enfants, fille fermée, tu n'es pas capable de regarder tes enfants. Marie, tu n'es pas capable de regarder femme. C'était vraiment le COVID-19, donc l'Ancien Testament. Dieu montre-nous dans quelle situation qui vraiment les diables qui ont envie de nous retourner en arrière. Distanciation. Et puis maintenant, lave les mains. Washing your hands. Lave les mains. Jésus dit à nous, l'une de nous sur 10 ans, nous sommes enfants bon Dieu, nous habitants du ciel. Jésus dit à nous, pose la main au malade, le malade sera guéri. Le diable dit, non, lave-toi la main, garde-toi la main cachée. C'est l'instrument de ton écho. Quand tu connais ça, Jésus-là, quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu deviens un soldat au royaume de Dieu, quand tu deviens un serviteur, un servant de Dieu, n'a pas peur. Pose la main au malade, le malade sera guéri. Tu veux une option. Tu es un habitant de Jésus, tu es un habitant du ciel, tu n'es plus un habitant de la terre. Jésus avec toi, Saint-Esprit avec toi. Mon Dieu dit, allez-moi avec toi, n'a pas peur. Aucun démon, aucun Satan, aucun idolâtrie, il m'a taillé, sorcellerie, divination, n'a pas peur. Moi avec toi, tu es plus de mes enfants, tu n'as accepté moi. Tu as accepté Jésus. Parce que tu as mis mes enfants, mon Dieu, allez partout dans le monde. Ici, il dit, on retourne en arrière. Lave ton main, mets-toi la main dans la poche. Pas chez lui, papa. Même quand tu es au casse-ci, fais attention, ton casse-ci est contaminé. Ton billet est contaminé. Toi, c'est l'antidale. Toi, c'est gros poids pour faire gagner gaz. Non, c'est gros poids. Gros poids, si tu es casse. Amen. Tu es contaminé. Toi, c'est fruits contaminé. Légumes contaminé. Toi, même toi, tu es sorti d'eau. Écoutez bien, il n'y a pas pour ça, mon Dieu, ça. Tu es sorti d'eau. Tu es allé. Quand tu es venu, tu es ton linge, tu es venu, mets-toi dans ta coup de pression. Qui ça? Quand nous y aller, la vérité nous a triomphé. Et là, mon Dieu dans le ciel, pour qui raison tu n'es pas capable d'accepter ça, Jésus-là? Pour qui raison tu n'es pas accepter la grâce, tout un péché pardonné, tu as mis la nouvelle créature, tu as la vie. Qui fait les difficiles? Qui perd? Laisse-moi dire, oh, religion, pas sauve du monde. C'est bon Dieu qui sauve du monde. Et au bout du moment, pasteur, ou bien une religion, ou mission, ou bien une religion. Non, c'est pas une religion. Moi, j'ai une relation, bon Dieu, mon papa, moi, aux enfants. C'est pas une religion, ça. Amen. Religion, vous dites, oh, lundi, bon, mardi, pas bon, jeudi, bon, 6h, bon, 7h, bon,
galope par ici, galope par là-bas. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, ceux ou celles qui ont cru en Christ Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants du ciel, serviteurs, servantes, soldats dans la main de bon Dieu. Nous, bon Dieu, nous triomphons tous les temps. Quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Romains 8, verset 31. Si mon Dieu pour toi, qui s'est gardé contre toi? Mais bien sous-entendu, quand tu crois ça, mon Dieu, là, tu mets tes paroles en pratique, tu peux bénir. Les dieux, lave la main. Et la Bible dit, pose la main le malade devant la terre. Moi, pose la main le tout du monde. Laisse-moi jouer une affaire. Supposons que tu as la COVID. Tu as quelqu'un qui vient dans l'église, la brasserie. Un quelqu'un qui fait un accident. Un quelqu'un qui se colonne vertébrale, est cassé. Son lit est cassé. Un accident grave, grave dans une voiture. Quand il vient à l'église un samedi matin d'un combat spirituel. Pas si je pose la main au lit. Pas de pose la main au lit. Cet homme, il vient du bout de droite, des hommes, il trappe de côté. Qui m'a fait faire? Moi, je fais l'accolade avec cet homme. Moi, je m'aille, moi, je suis allé contre moi. Moi, je dis, Seigneur, c'est ton tu apostolique, prophétique, puissant dans mon corps. Descends dans son corps. Du prince de la tête qu'à bout de zone sur les pieds. Et cet homme, il était guéri. Si maintenant, vous demandez, non, mais pardonnez la main. Moi, tu gardes tout ce lit. Passez la main, corps et corps. L'onction, bon Dieu, puissante, bon Dieu, du sang de Jésus, l'autorité avec nous, comme à tout cet homme, les guérit instantanément. Bel témoignage. Amen. Alors, passez la main. Aussi, nous l'écoutons tout entier. Et dans l'onction, on a dit Saint-Esprit. Quand nous constatons quelqu'un a la flamme autour de nous, ça démon-là, il grillait, qui te COVID, qui te pas COVID, dîner 20, 21, toi, d'un seul coup, seulement. Vous êtes le cœur et connaître un bon Dieu dans les ciels qui est vivant. Et ça, bon Dieu, c'est ce garçon qui appelle Jésus. Ce garçon, il déguise une mine dans la tête comme un djoumoun. Il n'est pas un djoumoun, il est Dieu. Il vient comme un djoumoun pour faire comprendre qu'il est vraiment un bon Dieu dans les ciels. Et aujourd'hui, il est dans les ciels sans Jésus-là. Il est bien assez puissamment. Troisième, si je ne trompe pas, la main. Troisième, mettre masque. Amen. Alors, moi, je connais. Ben, du monde met ce masque pour le coquin, pour faire crime. Ben, du monde caché, je te lis, je te dorais, je te néné. Ou pas connaître qui s'en a qui peut venir là. Comme un propre voisin, un voisin peut venir attaquer pour une tour. Ben, vous connaissez la masque. Qui fait vous cacher tout figure? Quand Moïse, du monde, le montagne Sinaï, des fois 40 jours, 40 nuits, quand il descend, c'est dans l'onction bondier. Ce visage si éclairé, plus éclairé que le soleil, brillant, son frère Aaron parce qu'il n'a pas regardé lui, ce bannevé parce qu'il n'a pas regardé lui, Moïse met un voile, pas un masque. Et ma puissance de Dieu. Nous aussi, nous avons la puissance de Dieu sur notre visage. Nous visage, il y a un soleil qui est éclairé, que ton passé t'éclaire le monde. Tu es un enfant, mon Dieu, tu es un habitant du ciel, qui fait ton cachet, ton figure, ton beauté, ton figure, ton la gloire de Dieu, ton figure de la lumière. Amen. Il y a de la lumière par le Saint-Esprit de Dieu. Allez partout dans le monde. Dieu dit toi, quand tu gagnes cette onction prophétique, allez partout dans le monde, que ton passé, Satan, démon, diable, pour 4000 ans, et tu gagnes victoire. Troisième. Amen, masque. Quatrième, confinement. Cachette dans la case. Amen. Fermé. Moi, je connais un prisonnier qui est en prison. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu es un enfant de Dieu, pas dit sans Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ton enfant de Dieu. Pas grand père. Maintenant, tu peux cacher dans ta case. Amen. Tu peux être prisonnier, une prisonnière. Tu n'as pas sorti. Comment se peut-il un grand la terre qui monte et crée? Un jeune île Maurice, la nature, la mer, les étoiles, la lune, et d'avant les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, poissons de la mer, fruits, légumes, verdure. Amen. Tout cela, tu n'as pas qu'un droit de regarder, pierre-toi dans la case. Prends une ration, garde-la dans le petit coin, ton prisonnier, prisonnière, parce qu'il ne te pas contre ça, mon Dieu, là. Écoutez-moi,
toute l'autorité de sa planète Terre là, tu besoin qu'on s'abrutisse là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Amen. Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. Bon Dieu, donne-nous ce garçon, quand tu pour croire, tu pas pour périr, tu pour vivre éternellement. Amen. Alors, nous trouvons confinement, cassé dans la case, l'incapable biblique, mais Ancien Testament. Ancien Testament, partenant à la grâce, partenant à le salut, partenant à l'Esprit de Dieu avec vous, ou tu tout seul. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus vient dans la terre, il a l'eau la croix, il finit, prend tout péché, tout maladie, toute tristesse, tout sagrin, tout tracas, tout la peur. Il coule tout dans la croix. Et je te mets dans le tombeau, si tu crois les mots, mais Jésus-Christ pas tu mort dans le tombeau. Il dit, crase la tête de Satan dans la croix. Non, je veux pas que tu connais un héros. Amen. Il y a un héros spirituel. Amen. Il n'y a pas un zéro, il y a un héros. Et il sortit d'un tombeau le troisième jour, vivant plus que vivant. Il peut siéger sur le trône de Dieu dans toute son grandeur, puissance, autorité. Et il dit, nous prépare-nous le sang à la terre là. Et il pourrait venir, il pourrait amener nous un jour dans le ciel, dans le royaume de Dieu. La vie éternelle existe bel et bien. Donne-nous la preuve. C'est Jésus qui peut cause avec nous là. Est-ce qu'il est mort? Vous êtes d'accord? Il est ressuscité. Il rentre dans le tombeau, il est sorti vivant plus que vivant. Il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, moi, seuls enfants, mon poumon, laisse-moi Dieu une affaire. Si mon Dieu pour moi un jour, ça mon Dieu qui crée la terre, les ciels, la mer, les étoiles, la lune, ça qui m'a fait Dieu là. Pas les autres bon Dieu qu'on fabriquait par la main de l'homme, non. Bon Dieu qui nous crée, qui donne nous la vie, 9 mois, 9 jours, sorti dans votre maman. Si pas c'est dans la vie ou pas tu vous là, c'est Dieu qui donne nous la vie. Est-ce qu'il est pour mort? Non. Il n'est pas pour mort. Mais aux enfants, bon Dieu, pour moi? Non, ou pas pour moi? Les enfants qui parlent de bon Dieu. La colère de Dieu pour ta vie. Amen. Alors, regardez mes enfants. C'est un Dieu véritable qui est le chemin, la vérité, la vie. Il dit encore, acceptez-le au moment de sa parole, de ce chemin, au bout de la vie en abondance. Dieu se promet de nous, l'Esprit de Dieu pour le bien de l'homme, même jusqu'à 120 ans. En bonne santé, de pleine force, de la bonne vie, de pleine vigueur. Quand quoi ça bon Dieu là, quand vous obéissez à ces paroles, vous mettez ces paroles en pratique dans toute l'humilité. Pardonne les autres qui ne sont pas venus prisonniers de charnel, prisonniers adultères, prisonniers tentation, prisonniers sougadaires. Non. Pas venus prisonniers de vices et de passions. Non. Vous venez un prisonnier avec bon Dieu. Faites tout ce qu'il dit à vous. C'est d'abord royaume bon Dieu. Tout qui que soit, tu peux gagner en surplus. En surplus, le bonheur, la grâce, la paix, la joie, la délivrance, la guérison, accompagne-toi. Tous les autres de la vie, c'est d'abord, royaume bon Dieu. Mais tu parles de ça d'abord? Travaille avant? Non, 35 avant? Non, rendez-vous me donner avant? Manger avant? Bois avant? Tu n'es pas capable de tenir? Garde-la une tonne rendez-vous. Il y a 31 d'un rendez-vous que vous participez. Moi, pas besoin de nous, je vous dis. Covid par Covid, moi, pas faire mon Covid, moi. Ou la même, toi, enlever l'enfer. Le diable est en toi, piège tous les jours. Allez, Proverbe, chapitre 7. Tu connais qui appelle piège du diable. Tu connais qui appelle l'enfer. Toi, allez comme un bœuf dans l'abattoir. C'est ce qu'il y a pour lève ça, la scie là. Comment il peut taper, tu peux dire, trop tard. Pas même qui vient crier, nous crier Jésus. Nous. Dans tout moment, tu faisais crier Jésus. Satan casse-piquant. Personne ne peut faire tout toi. Quand tu es fidèle, tu es sincère, tu es bon Dieu là. Mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Mais si enfant Christ, alors on peut raconter tout ça. Maintenant, quand nous regardons le Nouveau Testament, nous tous nous connaissons. Petit message là, le dernier événement. Le dernier événement, bon Dieu, pour faire où reculer. Allier l'Ancien Testament. Allez, c'est mes 10 commandements pratiques à mourir dans l'enfer. Pas besoin d'accepter la grâce. Mais Dieu veut dire nous non. L'Ancien Testament, il passé. Maintenant, il donne nous le Nouveau Testament. Que Jésus-Christ est venu. Il a le mot pour toi, la croix.
Même t'es un criminel, t'es un volier, t'es un tricel, il pardonne toi tout au péché de péché, mais il doit ne pas se plier. Mais nous disons, Jésus-Christ content tout bon pécheur, mais il n'est pas content de ce péché. Il est content tout pécheur, il n'est pas content de nous pécher. Nous pécher qui s'en dit. Mais ouais, lui-même, création d'image à son ressemblant, du content, il connaît un erreur parcours. Un erreur parcours, tu commets un erreur, tu fais un crime, tu es coquin, tu es dans la prison. Un erreur parcours, pas toi ça. Un Satan, un démon qui rentre dans toi. Mais les autres répandent, te tient sa paix, c'est mon Dieu, pardon. Jésus-Christ descend de la vie, il baigne toi pendant 10 ans, il veut terminer les enfants, mon Dieu, il nous donne ce Saint-Esprit, dirige-toi dans la vérité, dans toute la vérité. Tu as changé. Alors, quand on est dans le Nouveau Testament, un grand homme de Dieu qui appelle Saül, il appelle Paul. Cet homme, quand Jésus-Christ est venu dans la terre, il trouve beaucoup de monde peut croire Jésus. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. Il travaille avec un sacrificateur, avec un grand prêtre. Il va un grand prêtre. Religion. Il a dit à un grand prêtre. Il y a quelqu'un qui appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui va passer dans un miracle, guérison, délivrance. Si ça continuait, mais pour rien, nous là, nous. Nous avons un top, nous avons un bel bâtiment, pour rien, nous avons un service, nous avons un grand prêtre, nous n'avons aucune valeur. Alors, mon grand prêtre, mon sacrificateur, Denis Lett, Dieu Paul, Saül, attrape sa main du monde, là, qui zombe, femmes, enfants, trappe, se traîne, se met dans la prison. L'apôtre Paul fait aller. Il va comme l'apôtre Paul, il appelle Saül, il fait aller. Il martyrise beaucoup du monde. Pendant des années, des années. Il dit, quelle est cette nouvelle doctrine? D'où vient cette nouvelle doctrine? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un est venu va coopérer des miracles, des guérisons, et tout le monde des guérisons, des miracles, et tout le monde court vers lui, qu'est-ce qui va s'arriver pour nous autres? Comment notre bâtiment va être? Nous qui sommes les grands prêtres, les pharisiens, les sadducéens, qu'allons-nous faire? Voilà la question. Encore cette question peut poser dans la planète Terre. Encore aujourd'hui, du monde paie la guerre. Du monde qui est dans la religion, je ne suis pas content, pas content, pas content. Jésus-Christ est dans la... Mon frère, mon sœur, toi qui es dans la religion, tu ne te connais. Mais où tu as accepté ça, Jésus-là? Tu vis ce serviteur, ce servant. Satan, démon, Satan, casse-toi. Quand tu as prié, tu as pour guérir, tu as pour délivrer. Mon Dieu, vous sentez ton caractère, vous sentez ta manière. Parce qu'il m'a dit un bon Dieu d'amour. Un bon Dieu d'amour. Un bon Dieu d'amour. Il dit à toi, aimez. Pardonnez tous celui, celle qui n'offense toi. Aimez ton ennemi. Bénis celui qui maudit toi, qui maltraite toi. Priez pour celui qui aille à toi, qui maltraite toi, qui pèse de prier. Matthieu 5, 44, 45. Allez, allez. Matthieu 5, 44, 45. Un Dieu d'amour. Et lui-même, lui, c'est Jésus. Quand il frappe lui dans la croix. Innocent 100%. Aucun crime. Aucun adultère, aucun péché, il va le faire. Je me frappe dans la croix. Luc 23, verset 34. Et il a dit, Dieu Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prouvent qu'il y avait l'amour. C'est l'amour, ce n'est pas la haine. La haine amène une division. L'amour amène l'unité. Les supporters, comme les gars, ils battent, ils continuent dans l'amour. Amen. Ça, Jésus-là, un bon Dieu d'amour. Au Seigneur Christ, religion pas sauve du monde. Bon Dieu qui sauve du monde. Il y a un bon Dieu dans les ciels qui compte tout, qui compte l'avenir. Quand tu causes en lit, il faut causer avec toi. Et tu viens, réveille-moi à 3h, 4h du matin pour faire la prière pour réveiller toi. Exact pour exact l'air que tu viens. Fais l'expérience. Où à trouver? Tout à chacun qui croit ça, Jésus-là. Ou vraiment croire en lui sans l'expérience. Miracle arrivé dans la vie. Délivrance, prospérité, bénédiction. Foyer qui tu fais briser, foyer réconcilié. Cancer guéri, diabète guéri, il s'est guéri, avait trouvé, sous-tendé, le mort ressuscité. Ou la même. Alors c'est Jésus, il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Cet homme qui appelle Saül, mon sacrificateur, mon grand prêtre de Niel-Lek, je te trouve vraiment, ça Jésus, il a fait un miracle encore. Il met la belle la foule autour de lui, et bien il nous travaille pour tomber. Nous sommes capables. Dans des apôtres, c'est un grand temple qui appelle Jan. Beaucoup de bijoutiers, de orfèvres. Tu fais 20 bijoux, ben du monde pour donner ça. Idole là. Je travaille tombé.
L'apôtre Paul peut faire un miracle, guérison et délivrance. Pas besoin de penser à une soute, il peut faire un miracle, guérison et délivrance. Et le type Pierre s'équipe, cet homme. Amen. Ça même l'apôtre Paul, qui appelle Saül, il gagne l'ép. Avec un sacrificateur, un grand prêtre, pour écraser la tente côté d'un réunion d'évangélisation. Un jour, il gagne l'ép. Lui parle dans Damas. Dans Damas, il t'en dit, il y a une grande attente. Dieu peut prier Jésus, peut prier Jésus. Quand il parle le chameau ou bien le cheval, je ne sais pas, les deux, trois camarades, quand il rentre dans Damas, il trouve fait du monde misère. Il bat ban madame, bat ban enfants, bat ban mari, femme, trappe tout du monde, amène côté sacrificateur, mais dans prison. Cette fois-ci, quand il rentre dans un endroit par le crasé de la tombe, côté un bon Dieu vivant, côté une l'onction de puissance, Jésus Saint-Esprit, puis l'onction de bon Dieu, puis il y a le crasé à la tombe avant même. La Bible dit où? Acte des apôtres, chapitre 9, ou Aliali. Acte des apôtres, chapitre 9. Elle la flamme, un gifé, un étincelle saute dans les ciels, tape le lit, lui sape le chameau, vient le cheval, il tombe. Lui dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Il fallait croire. Il dit, crois du commandement. Il dit, crois de la crise, il m'a taillé, faux Dieu. Il fallait accepter cette nouvelle doctrine. Comme ça même d'arriver dans la planète et aujourd'hui. Quand nous causons parole, mon Dieu, tu m'en aïe nous, la guerre nous. Tu m'en prier contre nous. Mais notre vrai bon Dieu qui compte en toi. Paix la communauté, paix la race, paix la couleur, paix la hauteur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il est tout seul capable d'unir à nous. Il a unir toutes les peuples pour la justice, pour le bonheur, pour la paix, pour la joie. Alors y aller pour grâce d'attendre, elle l'a lumière puissance sur le table au lit. Qu'il dit avec ton maman, il dit, qui es-tu, Seigneur? Quand il dit, qui es-tu, Seigneur? Ça la lumière qui me tombait là. Il dit, moi-même, Jésus-Christ de Nazareth, tu peux persécuter moi, tu peux pas capable de persécuter moi. La lumière la répond, il dit, moi-même, Jésus, moi, tu vis dans la terre, tu peux pas me croire, moi, ton rebelle. Est-ce que tu veux battre mes enfants? Crase la tente que tu n'as rien d'évangélisation. Laisse-moi dire toi, tu n'es pas capable de l'aimer contre aiguillon de Dieu. Amen. Aiguillon, mes enfants, il y a une sorte de poinçon, un long bâtir à poinçon. Quand un berger, pour faire de bons animaux dans la bergerie, on arrive à soir, je ne vais pas les rentrer, je vais faire dans différentes directions. Alors, les chiens, peut zapper pour conduire ces bons animaux-là. Alors, sa bergerie-là, il attrape sa balle sous ses bras comme ça, il y allait, et puis tout cette bœuf, un petit coup de poinçon, il sort en direction et elle vient à la bergerie. Pour mettre tout dans la bonne voie. Dis la pote Paul, t'es pas calé contre moi, t'es bien, mais en travers, une seconde pour moi, droite. Beaucoup qui gagnent, qui rebellent, qui relèvent contre la puissance de Dieu, qui relèvent contre Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, son nom lui suffit pour guérir toi. Beaucoup qui gagnent, fait gagner persécution. Tu n'as pas besoin que l'onction, mon Dieu, puissance, mon Dieu. Nous, dans la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est l'apôtre Paul tout vous sensez. Instantanément, l'apôtre Paul vient avec trois jours, trois nuits, il n'est pas trop clair. Il dit, Seigneur, qui m'a besoin de faire pour trop clair? Je te connais. Et trois jours, trois nuits, tu vas pas manger, toi, pour boire, tu vas gêner. Sans manger, sans boire, tu pour connaître moi. Mais après trois jours, tu as un homme qui s'appelle Ananias. J'allais prier pour toi. Cette fois-ci, cet homme Ananias, il t'entend dire l'apôtre Paul, peut venir côté. Il s'appelle Saül. Tout le monde perd. Ça, c'était un bandit, un criminel. Il bat trop beaucoup du monde. Et là, bon Dieu, c'est un truc qu'on écrit. J'allais Ananias, prier pour lui. Bon Dieu, corrige-le. Quand on priait pour lui, l'écaille sortit de ce lisier tombé. Il est trop clair. Et cet homme est devenu le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Plus grand apôtre. Le roi Hérode, pas accepté, c'est Jésus. Pilate, gouverneur, pas accepté. César, pas accepté. Je dis, allez-toi, est-ce que tu es le roi, toi? Jésus dit, oui, moi, le roi. Toi qui me dis, moi, le roi. Seulement, moi, pas le roi pour ça, la terre-là. Moi, le roi pour le royaume de Dieu. On est roi des rois. Je ne parle pas de Jésus, frappe-le à connu Dieu, il y a des rois. Rappelez-nous bien,
Mais si c'est en Christ, le peuple de la terre, rappelez-nous bien. Si vous ne connaissez pas ça, Jésus n'a pas plus malheureux qu'il malheureux. Le catastrophe qui me tape dans la terre aujourd'hui, il n'est pas pour quelqu'un, quelqu'une qui est dans Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans 10 ans Jésus, qui passe par les œufs du baptême, qui est fidèle aux œufs de mon Dieu, qui est fidèle aux œufs de l'Église, qui est dans l'onction, qui chantait, dansait, célébrait mon Dieu de tous les cœurs. Il n'est pas pour nous ça. Non, non, non. Laisse-moi dire, oh, peine à plus grand vaccin qui dit sans Jésus. Dit sans Jésus, dit sans bon Dieu. Dit sans qu'ils sont au-dessus du troisième ciel. C'est même plus grand vaccin qui est dans ça. Seulement, je suis fidèle ou sincère, mon Dieu. Et garde ta parole. Alors, parce que l'apôtre Paul, beaucoup quelqu'un de la planète Terre, beaucoup quelqu'un, quelqu'une, qui fera de la religion à fond, beaucoup quelqu'un, quelqu'une, qui vraiment, il attend de la sorcellerie, de la divination, peu importe que tu étais, et dans un chemin de lumière, et dans un jour que tu es mis à répentir, les jours te viennent vers lui, que Seigneur, pardonne-moi. Moi, pas tu connais le Seigneur, moi, pas entendre tes paroles. Moi, on rentre dans la sorcellerie. Moi, on fait quelque chose qui n'est pas misère, pas dans la magie. Pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, aujourd'hui, moi, voyez, moi, les cœurs, moi, viennent vers toi. Seigneur, viens dans mon cœur. Tout de suite, il descend, il vient dans ton cœur. Tout de suite, il donne dans ce Saint-Esprit. Tout de suite, il bénit toi pour ce 10 ans. Tout de suite, il devient un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Et tu vas venir même un pasteur. Même un évangéliste, et partout que toi allez, l'onction bon Dieu pour avec toi. Même de l'ombrase, capable de guérir du monde. La Bible dit à nous, l'apôtre Pierre, un homme qui n'est pas de croire. Mais sur la tête, il dit, il va s'exercer, il n'est pas trop croire. Mais les jours qu'il ne croit, après combien de temps que Jésus prend soin de prendre patience avec lui, ça va lui changer. Et il peut aller dans l'endroit par lequel vient l'église. À des apôtres chapitre 3, pour rendre ça à l'église là, et un monsieur, pendant 44 bananes, Benjamin Amenien paralysé, lève-lui, pose-lui, que ça à l'église là, pour demander de s'arrêter. Comment il tâle sur la main, il demande de s'arrêter. Pierre et Jean, peuvent venir pour rendre à l'église. Sans où la Pierre, mettre la main de ce poste, par exemple, Naïba, Pénacas. Mais dans ce poste, c'est mis, Péna. Mais dans ce poste, pantalon, Péna. Dans ce sacos, Péna l'argent. Il regarde cet homme, parfois l'enfant fait défaut, et que l'enfant te fait grand noir, et que l'enfant te croit docteur spécialiste. L'esprit de toi, il y a du monde, il dépense 80 000, 75 000 et docteur, pas dans l'aide, pas dans la vie, fait l'opération, pas de guéri. Mais les enfants, ils guérissent par la présence de Dieu. Amen. Et Pierre, il parvenait qu'il pouvait, il dit cet homme paralysé, 44 bananes par l'Italie. Il dit cet homme, je n'ai ni argent, ni or. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche! Cet homme levé, dressé, sauté, paralysé, 44 bananes. Tout du monde étonné! Du monde sorti dans l'église, vidéo, dans tout l'endroit, tout quartier, galopé, bonne nouvelle, répandue, répandue. Pierre, pas-tu quoi? Son ministère déclenché. Joue, te crois, te ouvert, te requête, te fidèle, te sincère. Bon Dieu, descend de la vie, te service à mon Dieu là. Aucune puissance du mal pas capable de tous toi. Toi, tu veux gagner victoire dans le nom de Jésus. Mais c'est en Christ, l'apôtre Paul changé, puis le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Pierre changé. Tout le monde, quelqu'un qui peut y croire, se commence à arriver à croire qu'il y a quelqu'un qui appelle Dieu Tout-Puissant le Créateur, qui n'a voyé ce garçon de la terre, qui appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il donne nous la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est grâce chez toi. Pardon, peu importe qui crime, tu es un drogué, tu es un sous-là, t'es un ivrogne, t'es un crime, t'es un divorcé, t'es un batte madame, madame t'es un batte monsieur, t'es un fait adultère, t'es pas pour couteau, prêt, t'es madame, t'es toute la vie pour finir. T'es pas dans la prison, t'es pas le mot. Non! Pardonnez, qu'à toi, ça, bon Dieu, là. Saint-Esprit nous t'encourage pour pardonner. Et t'es venu un enfant de Dieu. Et t'es pour bénir. Si seulement t'as accepté ça, Jésus-là, comme ton sauveur, Seigneur. Mais si elle prend Christ, petit message-là qu'il dit à nous, les derniers événements. Le dernier événement, Satan, diable, Satan, démon, pour faire tout du monde reculer. Comment tu es capable de reculer? Toi, la maison, 24 ou 24, tu vas faire travail. Pose-toi même question.
Combien elle est dans ton prier? Combien elle est dans ton lien de la Bible? Combien elle est dans ton parfume de la case par la louange d'adoration? Combien elle est dans ton lien à la Bible? Combien elle est dans ton médite la parole? Combien elle est dans ton redonne la sainte, ton rôle ton créateur qui crée toi et me donne la vie, la vie? Combien elle est dans? Diable, fais-toi réculer. Donc pour gagner le temps pour toutes choses. Le temps pour manger, pour boire. Donne rendez-vous par ici. Donne rendez-vous par là-bas. Garde pas partout où vous allez. Mariage, fiançailles, anniversaire, matiacalo, danser, pique-niquer. La mer que vous allez. Parti de vous partir. Mais tu pas gagner le temps pour prier, mon Dieu. Tout ça va un événement qui vient donner bien temps là. Juste pour faire toi reculer par contre ton créateur. Et Dieu, c'est les bras grands ouverts, tous les olipiatales, quand tu pour répentir, quand tu pour connaître moi, quand tu pour retourner vers moi. Mais c'est en Christ, nous lien dernier verset que tu parles dans l'état, lien tu peux s'ouvrir Zacharie, le livre de Zacharie, chapitre 14, avant de terminer. Zacharie, dans l'Ancien Testament, il y a avant Malachie. Zacharie, chapitre 14. Voilà. Chapitre 14, verset 12. Regarde ce qui permet d'aller bien temps, c'est même qui permet. Voilà dire. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem. Tout le monde, quelqu'un qui lève contre bon Dieu réel, bon Dieu vivant. Il lève contre les enfants, bon Dieu, qui croit Jésus, qui croit Saint-Esprit, qui prie dans l'onction, bon Dieu. Tout celui qui me lève contre eux, contre les enfants-là, combattu, contre Jérusalem, c'est nous, Jérusalem. Les chairs de la chair pour ton bras en pourriture, tandis qu'ils seront, tant qu'on l'olivier te peut masser de la sienne, de la joue, lui pourrir, lui tomber en pourriture. Deuxième, les yeux tomberont en pourriture de leurs orbites. Tenez un orbite, un rond, la graine des îles a sorti, tous les deux tombés pourris. Devenez un robot. Amen. En pourriture. Right. Et les langues de la langue tombées de ton bouche. Tu n'es plus capable que la langue pourrie tomber. Tous celles et celles qui lèvent contre la puissance de Dieu, lèvent contre l'autorité de Dieu, lèvent contre l'église de Dieu, lèvent contre son enfant bon Dieu, lèvent contre ciel et terre. Attention. Tu n'es pas tous manouins de Dieu. Bon Dieu, sa présence avec sa mantique là. Tu n'es pas pour tuer aussi parce que tu fais, c'est pour gagner la vie éternelle. Ce n'est pas pour moi aux amis. Mais c'est pour Christ. Voilà, c'est un petit peu le dernier événement. Le diable pour faire tout et tout et tout. Pour donner nous beaucoup d'occupation. Jour, tu reviens de l'église. Cinq jours, ton patron pour téléphone, toi, on a travaillé urgent. Jour, tu reviens de l'église. Cinq jours, ton camion tombe en panne. Jour, tu reviens de l'église. Tu gagnes rendez-vous à Julien 35, peu content de toi. Zou devine l'église, te les pieds fait mal. Toute qualité douleur te vous gagner. On appelait ça les obstacles. Je te pas prier, tu es dit, un obstacle, un l'odeur. Tu vas venir de l'église régulièrement. Et déjà pas attaqué. Qui a envie de faire? Fais-toi reculer. Et reculer comment? Reviens encore. Tombe dans, comment dirais, distanciation. Tombe dans lave la mer et se la cave. Tombe dans un masque, mettre masque, devine un robot. Et aussi, tombe dans confinement. Retourne. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est la grâce, c'est le salut, c'est le bonheur. Jésus dit, tu dois vivre maintenant et pour toujours, jusqu'à son retour pour l'enlèvement. Le dernier événement, prépare-toi, réveille-toi. C'est trop tard maintenant pour qu'elle gauche droite. C'est le moment pour te rendre ton créateur, ton bon Dieu, qui puissante depuis l'autorité de Dieu. Et notre créateur dans le ciel qui répond de la prière. Libre de ce grand, son bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, qui payait pour ton âme de péché, ton bien seul enfant. À partir de maintenant, il est dans ce Saint-Esprit. Il dirige-toi dans la vérité, toute la vérité, et tu gagnes la vie éternelle. Tu n'as pas pour mort. Tu vas être tout dans le paradis. Tu pourras saisir de longs jours de la terre, puis tu vas dans le paradis. Mais c'est en Christ, il n'aurait presque à temps. Et ce moment aujourd'hui, les derniers événements, il est déjà pour faire reculer. Imagine sa parole là bien. Beaucoup d'activités. Imagine nous morts. Mort, tu comptes faire l'ouvrage. Marie, tu signes dans les pieds, Jésus. Qui s'est dit, tu dis, mort, Marie, choisis la bonne part. Toi qui es content, bon Dieu, pas ton travail. Non, pas plaisir de ce monde. Donne bon Dieu, première place, tu vas gagner toutes sortes de bénédictions
spirituelle, physique, matérielle, financière. Amen. Préparons pour la Sainte Seine, mes sœurs, frères, mes enfants, pour la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est d'abord un bon Dieu. Amen. C'est un beau royaume, bon Dieu, pour quelque chose que vous gagnez en service. Que Dieu vous bénisse tous, renouvelé, restauré, réveillé. Casse ton sommeil, casse à l'oudéa là, prends ton flambeau, allez, et tu vous gagnes victoire dans le nom de Jésus. Amen.